vidéo narrative. Les images se suivent, il y a des relations dans le temps, c'est la narration, sous le principe de dire les choses sont ce qu'elles sont, mais elles sont toujours. Il y a toujours un côté de nuisance dans chaque chose. Je cherche le calme et je ne l'obtiens jamais. Voilà. C'est assez court, et ça se succède par des petites séquences qui s'enchaînent justement pour créer cette histoire, narration. Oui, mais c'est moi qui vais parler. Quelle affaire! Je vais raconter une histoire qui ne pose aucun problème, sans danger, sans danger, et une belle histoire avec un début et une fin. Mais je ne sais pas quelle sera la fin d'ailleurs, mais sans danger. Là, le danger n'est pas nécessairement là où on croit qu'il va se trouver. Mais non. On peut parfois, dans une maison, je ne sais pas moi, craindre des choses. Voilà. Bon. Oui. Mais non, apaisante, j'ai dit apaisante. Apaisante. Je parle pas du tracteur de fond, ni de la voiture. Non, c'est une situation détendante, voilà. Ou qu'il l'était en tout cas. Alors, bon, d'accord, bon. Je n'oblige personne, hein. Bon, le vide parfois, l'absence, c'est au fond ce qu'on souhaite, hein. Oui, j'aime assez les petites cabanes champêtres. Quelque chose qui rayonne la nature, voilà. Le bois, le verre. La chaumière, quoi, voilà. Voilà. Je cherche la chaumière. Je dirais à l'accueil, quoi, voilà. La sympathie de l'accueil et ce qu'on appelle aussi la chaleur de l'accueil. On a l'envie de pousser la porte. Voilà l'exemple d'un intérieur nature. Tu pousses la porte et tu vas vers la nature. La nature vue de l'intérieur, si j'entre, si j'entrais, je ne suis pas encore entré, mais si j'entrais, eh bien, elle serait, je ne sais pas quoi ce serait. À travers cette fenêtre-là, est-ce que l'on voit une jolie nature? Et est-ce qu'on peut vivre d'espoir sans peur? Que doit-on craindre? Que les pelouses soient mal tendues? Que les aboiements soient proches de nous, que les portes et fenêtres ne soient pas aimables. Ben voilà, je trouve que là c'est une bonne chose de le voir, j'allais dire disparaître, mais ce n'est absolument pas le cas. Il y a tout de même des choses, soyons dire, au niveau sonore, un peu chiant, quoi. Ah voilà une invitation à rentrer, ça c'est très clair. La porte est ouverte et curieusement, au-delà de la porte, je vois de la nature que je viens de quitter. C'est un paradoxe, hein. Je vais pas entrer là pour retrouver ce que je trouve à l'extérieur, il faut savoir. Et il y a un bruit pas sympathique du tout, donc ça y est, je ne l'aurai pas ma tranquillité, hein. C'est du drame, hein. Bah, c'est une narration dramatique. J'ai dit quoi tout à l'heure? Chose apaisante, narration plus lointaine. C'est ajouter des mouches et des bruits. Oh, ouais, et c'est la finalité dangereuse. Non, 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 je souhaite une nature apaisante. Et. Ben, je l'obtiens pas.